est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Lucéramois. Lucéram, possède le village de Cava, première station de sport d'hiver du département, créée à l'initiative de Victor de Cessol en 1909, auquel l'on accède par le col Saint-Roch, et le col de l'Orme. Carrefour de la route du Sel, étape de la route du Baroque de la région niçoise, le village comporte de nombreux monuments ecclésiastiques et médiévaux, ainsi que des retables de Ludovico Bréheux. Géographie. Le vieux village est bâti sur un éperon rocheux qui domine le paillon. En fond de vallée, il est un carrefour de la route du sel qui mène du port de Nice à la Savoie en passant par la vallée de la Vésubie. Le village se situe à 650 mètres d'altitude et à 27 km de Nice par la D2566. Le village possède une commune assez vaste, d'environ 65 km, qui se découpe en plusieurs hameaux Péra Saint-Laurent, les Mahons, les Mortissons, Garibert et le Tournai. Entouré par les communes de Sospel, Moulinet, Lescarennes, Toué de Lescarennes, Berles-Alpes, Duranus, Coaraz, Utel, et Lantosque, Luceram est un village de moyenne montagne de l'arrière-pays niçois. La commune offre des paysages de maquis de forêts de pins, de chênes ou de sapins, et d'épicéas, notamment vers Péracava. Les anciennes restent en encore à la vue de nombreux oliviers qui font aujourd'hui partie de l'aire de l'AOC, huile d'olive de Nice. En plein cœur du pays niçois, la commune de Lucéram fait partie des préalpes de Nice et compte la cime de Péracava, 1581 mètres, pour point culminant. Ces nombreux maquis et forêts sont soumis à un fort risque d'incendie. En 2003, un incendie a ravagé plus de 2000 hectares de forêt, notamment entre le col Saint-Roch, le col de Lorme et le col de Braoz. Depuis, la végétation a repris ses droits et des opérations de replantation d'arbres ont été menées grâce au concours du prince Albert II de Monaco. La plus ancienne partie du village fut construite vers le XIIIe siècle, sur un éperon rocheux appelé le Baou. De nombreuses rues étroites en escalier, serpentant depuis la place Adrien-Barali, Jusqu'au pied de la tour à la gorge fendue, pour la partie haute, et la rue du Docteur Maurier traverse la partie basse. Toponymie. L'origine du nom Luceram est incertaine. Il serait originaire du nom Lucrius ou Lucérus. Lucrius était un moine bénédictin du 8e siècle, originaire de Provence, qui est devenu abbé de l'abbaye de Farfa, dans le Latium. Le nom serait un dérivé d'un certain Lucéranus qui apparaît dans les textes en 1057, et aurait ainsi donné son nom au village. L'expression latine Luxeram, j'étais la lumière, pourrait également être à l'origine du nom. Durant donne une autre expression. Lucaseram, j'étais un bois sacré, semblerait se référer à la vénération antique des forêts, dont le village était entouré. Cette étymologie est discutable quand on la rapproche de sa dénomination latine Pegas Louis Durant indique aussi que cette formule signifiait que le village était construit sur une éminence entièrement boisée. Dans les textes anciens, on trouve aussi Luciramus ou Luciramu. Il fait de Lucéram la capitale de la peuplade des Lepontries, citée sur l'inscription du trophée des Alpes. Histoire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, arrivée des Ligures qui s'installent à Nice, et dans l'arrière-pays. D'après Louis Durante, Lucéram était la capitale de la peuplade des Lepontries, citée sur l'inscription du trophée des Alpes. C'est une des dernières peuplades vaincues par les Romains dans les Alpes-Maritimes. Ils auraient alors installé un poste militaire à Lucéram. Pour contrôler le passage sur une voie reliant la Turbie, à la vallée de la Vésubie. De nombreuses pièces romaines, monnaies, poteries, sont les traces de cette présence. Luceram est mentionné pour la première fois en 1057, Luceramo. Un personnage portant le nom de Lucéranus ou Lucérus, est cité à cette date. En 1108, Luceram est cité comme un lieu fortifié. Le château de Luceram est cité en 1156. Il est situé sur un promontoire. Près d'une église, peut-être sur le site de la chapelle Saint-Jean. Romé de Villeneuve intervient en Provence orientale, avec le comte de Provence Réamont Béranger IV ou V, pour en reprendre le contrôle, et lutter contre l'influence grandissante de la République de Gênes, qui lutte contre les comtes de Vintimille, pour contrôler les villes côtières. Charles Ier d'Anjou est comte de Provence, en 1246, par son mariage avec Béatrice de Provence. Le 28 mars 1258, est signé le traité de Lucéram, par lequel les comtes Boniface et Georges de Vintimille, vendebreille Saorge et autres fiefs, au comte de Provence Charles Ier d'Anjou. Les comtes de Vintimille cèdent leurs droits sur Lucéram au comte de Provence en 1272. C'est probablement à cette date qu'est construite la maison seigneuriale, dont on peut encore voir une porte dans le mur nord de l'église Sainte Marguerite de Lucéram. Le comte de Provence accorde une charte reconnaissant les franchises des habitants de la commune, et leur indépendance administrative. Elle forme alors avec les villages voisins de Peille et Utel, une confédération républicaine indépendante. Les communautés de Belvédère, Breil, La Bolène, Lantosque, La Tour, Lucéram, Peille, Roquebillère, Saint-Martin, Saorge, Sospel, et Utel, signent le 28 janvier 1328. Un accord pour mettre fin à une guérilla, et de déprédation avec la communauté de Tende depuis dix ans. Après la mort de Jeanne Ier de Naples, Charles de Dura et Louis Ier d'Anjou s'affrontent. Le 26 avril 1383, à Lucéram, au cours du Concilium général de la Vibrie, Antoine de Castello, notaire de Lucéram, reconnaît Charles Dura. roi de Naples, comme comte de Provence, au nom des communautés de l'Escarène, Breille et Saorge. L'Union d'Aix fait sa soumission à Louis II d'Anjou, le 21 octobre 1387. Profitant de l'affrontement entre deux prétendants, pour le comté de Provence, Jean Grimaldi de Beuil, nommé sénéchal de Provence, par Ladislas de Dura, et son frère Ludovic vont comploter pour obtenir un accroissement de leur fief, en promettant au comte de Savoie de lui apporter l'allégeance, de la partie orientale de la Provence, qui avait soutenu Charles de Dura. Le 28 septembre 1388, Signature d'une charte, entre la communauté de Nice et le comte Amédée VII, puis des autres communautés, à Lucéram, Sospel, le 17 octobre, conduisant à la dédition de Nice à la Savoie, formant les nouvelles terres de Provence, qui ne se sont appelées comtés de Nice qu'en 1526. Au moment de cet accord, Luceram, Levence et Paye, ont protesté contre cette réunion, en prétextant de l'achat de leur affranchissement à la reine Jeanne. L'hommage définitif de Nice et des autres communautés au comte de Savoie est passé à Nice le 16 novembre 1391. Cependant, les communes de Lucéram, Levens et Utel protestèrent en affirmant qu'ayant été formées en communauté libre par achat de leurs droits à la reine Jeanne, elles ne voulaient pas participer à l'hommage définitif au comte de Savoie. Comme ces communautés étaient en position de défendre leurs droits, les représentants du comte préférèrent négocier. L'accroissement de la population de Lucéram qui se trouve sur la route du sel entre Nice et le Piémont, par la vallée de la Vésubie, va entraîner la construction de nouveaux remparts pour la protéger. La tour Nord-Est date de 1395. Amédée VIII va mener une politique pour contrôler les quatre vigories des nouvelles terres de Provence. En 1430, le comte de Savoie obtient l'hommage définitif de Lucéram, moyennant la concession de plusieurs privilèges, dont celui de la fourniture de sel, à moitié prix de celui des autres communes, et le droit de porter un couteau d'une palme et demi de lame, c'est-à-dire une taille de lame, d'une main et demi. L'ouverture de la route paganine, à l'initiative du fermier des Gabelles de Nice Paganino d'Al en 1434, va faire passer la route du sel, par Levance, d'Uranus, Cross-du-Tel, saint martin lantosque et gagner une journée, pour atteindre Saint-Martin, par rapport à la route passant par l'UCERAM et le col de Saint-Roch. Les autres routes, sont encore soumises aux exactions du comte de Tende, pour celles passant par le col de Tende, et des seigneurs de Menton et Monaco, pour celles passant par le littoral. La route du sel par la vallée de la Roya va se développer après l'acquisition par le duc de Savoie, du comté de la Brigue, puis du comté de Tende, le 14 mai 1579, définitive en 1581. Les ducs de Savoie ont acheté la principauté d'Oenay en 1576. En 1454, après les actions des ducs de Savoie, contre les franchises des communautés, les communautés de la Vigrie de Vintimille-Val de Lantosque s'adressent au duc Louis Ier pour lui demander de respecter les libertés des privilèges qui lui ont été accordés par l'acte de dédition du 17 octobre 1388. Une épidémie de peste frappe le comté de Nice en 1467 qui perd le tiers de sa population. En 1483, le comte de Savoie envoie un commissaire, pour dresser la limite des communautés à Braoz, en présence des députés de Sospel, Peille, tue et Lucéram. La chapelle Saint-Grat de Lucéram est décorée vers 1480 à 1485, probablement par Giovanni Balaison. La construction de l'église Sainte-Marguerite de Lucéram est entreprise à partir de 1487. En l'année 1504, l'église est achevée. Et décoré par les soins de Jean Bonfils, recteur de la paroisse, ainsi que l'indique l'inscription gothique, tracée en noir à l'intrado de la voûte, d'après F. Brun. La peste fait son apparition à Nice en février 1550. Nouvelle épidémie de peste à Nice, et dans le comté, en 1580, faisant plusieurs milliers de morts. En 1552, à la demande d'Anne Lacarie, comtesse de Tende, ses vassaux et des troupes de mercenaires s'empare du château de Saorge. Le gouverneur de Nice envoie des troupes, pour reprendre le château, qui se sont renforcées des milices de Lucéram, Lescaren, Sospel, et breil sur Roya. Le 20 août 1564, un violent tremblement de terre est ressenti à Nice et dans l'arrière-pays. Grâce à l'aigle fait le 17 juillet 1624, création de l'hospice de Lucéram. Cet hospice ne possède aucun bâtiment, mais donne des aides aux nécessiteux. Nouvelle épidémie de peste à Nice et à Lucéram en 1630 à 1631. En 1691, une montagne glisse, en faisant de sérieuses destructions à Luceram. Après la guerre de la Ligue d'Auxbourg, le besoin d'argent amène le duc de Savoie à vendre des droits. En 1700, il donne une lettre d'inféodation de Lucéram en faveur d'Annibal Cota. Le 2 avril 1744, des troupes franco-espagnoles, les Galispans, Franchissent le Var pendant la guerre de succession d'Autriche. Ils prennent rapidement Nice, mais les troupes au austro ont installé des camps retranchés pour protéger Villefranche, où se trouve la flotte anglaise, et le col de Brahoz. Les troupes françaises s'avancent sur à pour menacer la route du col de Tende. Les troupes au austro se sont alors retirées sur Braye, permettant aux troupes galispanes d'attaquer le camp retranché de Villefranche, dont les troupes sont évacuées par l'escadre anglaise. Vers En 1746, les troupes franco-espagnoles sont battues à Plaisance, entraînant une retraite sur le comté de Nice. Les combats se concentrèrent sur le littoral entre 1746 et 1747. La paix revient, avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Supplique de Louis Isnardi et d'Anibal Covin en 1766 pour rétablir un monde piété à Lucéram. Construction de la chapelle Saint-Pierre de Lucéram. En 1780, la commune de Luceram demande en 1785 de retirer du monde piété et de l'hôpital des sommes pour les distribuer aux particuliers qui se trouvent réduits à la misère. En 1792, les troupes françaises envahissent le comté de Nice. Après la prise de Nice, les combats vont se porter sur l'arrière-pays pour prendre des forts de Saorge. Une forme de guérilla est faite par les barbets. Les combats durent jusqu'en 1800. Après la chute de Napoléon Ier, le comté de Nice retourne à la Maison de Savoie, en 1814. Rattachement du comté de Nice à la France, sauf et des labrigues, en 1860. Début de la construction de la caserne de Pra Cava en 1876. 23 février 1887. Le séisme Ligure fait de nombreux dégâts à l'UCERAM. Première compétition de ski à Pra Cava en 1909. Organisé par la section de Nice du Club Alpin Français, présidé par le comte Victor de Sessol. Le pont du Vergia est inauguré en 1931. Manifestations culturelles et festivités. Le village des Paillons a fait de l'exposition de ses crèches une tradition depuis plus de 18 ans. La tradition fut lancée par Christiane Ricord, en collaboration avec plusieurs associations et les habitants de la commune pour Noël 1998. Cette coutume perdure encore aujourd'hui attirant chaque année des milliers de curieux qui arpentent les rues du village. Économie. L'économie lucéramoise est fondée principalement sur le tourisme et quelques activités artisanales. Grâce à son patrimoine, eux et ses nombreux monuments, son circuit des crèches et le plateau de Pera Cava, le village bénéficie d'aménités touristiques notables. Il est classé « commune touristique » depuis 1924 et a obtenu en 2012 une fleur au classement du concours des villes et villages fleuris. Cependant, les activités agricoles n'ont pas totalement disparu. Un moulin à huile demeure au Mahons, et une ferme auberge, la gabelle, perpétue la tradition agro silvo pastorale de l'arrière-pays niçois. Sites et monuments remarquables. L'église Sainte-Marguerite, elle se dresse sur une terrasse dominant Lucéram. on aperçoit, à droite, les pans de murs crénelés, et la tour, curieusement fendue, de l'enceinte fortifiée. L'édifice, de la fin du XVe siècle, a été surchargé au XVIIIe siècle de stucs italiens. Il renferme de très belles œuvres d'art, cinq grands retables de l'école du maître niçois Ludovico Bréu, auxquels ont été ajoutés des encadrements de stucs au XVIIIe siècle. Ces retables constituent l'ensemble le plus complet du comté de Nice. On remarquera particulièrement le retable de Saint Antoine, XVe siècle, qui se trouve dans le transept droit, et celui de Sainte-Marguerite. A dix compartiments, attribués à Louis Bras, derrière le maître-autel, XVIe siècle. Une restauration heureuse a permis de retrouver l'œuvre primitive de Bras. Deux piétas, l'une en plâtre sur étoffe, du XIIIe siècle, l'autre en bois peint, du XVIe siècle. Le trésor contient, outre une vierge en albâtre du XVIe siècle. Des pièces d'orfèvrerie remarquables dont une statuette en argent de Sainte Marguerite, 1500, des chandeliers d'argent massif du XVIIe siècle. Plusieurs chapelles existent sur le territoire de la commune, chapelles de pénitents à l'intérieur du village, comme la chapelle Saint-Pierre, ou la chapelle Saint-Jean, chapelle protégeant le village, ou les marchands sur les chemins qui lui donnaient accès, comme les chapelles Notre-Dame de Bon-Cœur, et la chapelle Saint-Gras. Certaines de ces chapelles ont été classées, ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La chapelle Notre-Dame de Bon-Cœur, la chapelle Saint-Gras, la chapelle Saint-Pierre, ou chapelle des pénitents noirs, la chapelle Saint-Jean, ou chapelle des pénitents blancs. La chapelle abrite le musée des vieux outils, et de la vie locale. Le service régional de l'inventaire a par ailleurs procédé à une étude très détaillée du patrimoine mobilier de la commune. Le village était protégé, par une enceinte dont on peut encore voir plusieurs éléments, comme la tour ronde, ouverte au sommet du village. Les moulins de Lucéram. La zone de Béas.